Est-ce que dans l'église, il enseigne que Christ est mon noir lié? Oui, Christ est mon black lié. Mais dans l'église là, qui image je gagne? Je gagne image blanc. Je dis Jésus est mon blanc lié. Est-ce qu'on filme la passion du Christ? Tout haïtien connaît la passion du Christ. Tout haïtien connaît la passion du Christ. Il a mangé la passion du Christ. Il a mangé des belles poissons dimanche. Christ sont noirs. Et pas dans la tête noire, et dans la Bible là que je lis. Si je prouve dans la Bible que Christ sont noirs, faut croire que la Bible dit que Christ sont noirs. Lille. Ma soeur, écoute, Christ est un homme noir. Prends 2 minutes, écoute la parole. Lille. Le 14. L'Apocalypse chapitre 1 et le verset 1. Ah. Révélation de Jésus-Christ. Qui ça mot révélation veut dire? Révélation, ça veut dire révéler, révéler un bagage qui est caché. Tu comprends? Ça veut dire révélation, révéler un bagage qui est caché. Ça veut dire que nous ne savons pas qui est Jésus, nous ne savons pas qui coule Jésus. Nous parlons révéler qui coule lui. Oui? Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 14. Verset 14. Ses pieds et ses cheveux étaient blancs. Je lis encore. Sa tête. Et ses cheveux, monsieur. Et ses cheveux. Cheveux figuier, monsieur. Étaient blancs comme de la laine blanche. Déjà là, dans l'image nous gagnons, monsieur gagne tête li à cheveux blanc, donc laine. Laine. Est-ce que vous connaissez laine mouton? Laine mouton sont textures liées. Laine ne sont pas couleurs liées. Si je me dis, oh, monsieur couleur laine, ça va pas ça, sont textures liées. Ok, donc, monsieur gagne cheveux graines, et ça n'a plus là. Cheveux monsieur laineux, ok, l'île. Comme la neige. Blanc. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ma soeur, écoute, Christ est un homme mort, écoute la parole. Ok, l'île. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ma soeur, t'as 2 minutes. Ma soeur. Écoute, on est en train de dire que Christ est un homme noir selon la Bible. Tu vas à l'église? C'est bien, va pas à l'église parce que à l'église ils enseignent quoi? Que Christ est un homme blanc. Right. Mais on lit dans la Bible que Christ est un homme noir. Oui. Noir comme toi, comme ta peau. Il a la même chevelure que toi. Tu comprends? Lis encore. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Donc dans ce temps-là, il portait des sandales. Donc on pouvait voir ses pieds. Ses pieds étaient quelle couleur? Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ma soeur, quelle couleur est l'airain? L'airain, c'est le cuivre. Quelle couleur est le cuivre? Le cuivre, c'est comme l'égout. C'est brun. On va voir à quel point c'était brun. Va t'en pas. Prends 2 minutes, mon frère. Écoute. Ok, reviens. Écoute. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Je vais te laisser partir, mais une dernière question. Si tu mets n'importe quoi dans un four, ça devient quelle couleur? Exactement. Donc, Christ est quelle couleur, ma soeur? Christ est noir selon la Bible. C'est vrai. Tu comprends, ma soeur? Dernier verset pour toi, Deutéronome 22, verset 7. J'ai manqué ma lumière. Okay. Un dernier verset pour toi, ma soeur. J'ai déjà prié ce matin. T'as prié ce matin? Ouais, j'ai lu mes versets. Ok, donc tu lis la Bible. Ouais. Tu crois ce que la Bible dit? Ok, un verset pour toi, qui lit? Deutéronome, chapitre 22, et le verset 5. Non, 1 Timothée 2, verset 9. Un dernier verset, parce que si on croit ce que la Bible dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Exactement. Donc on va lire ce que la Bible dit, ok? On prêche ça par amour. On prêche ça pas parce qu'on est dans notre peuple. On aime notre peuple, c'est pour ça qu'on prêche. Oui. Le livre de 1 Timothée, chapitre 2 et le verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas pour t'attaquer. C'est une question. Qu'est-ce que ça veut dire, ma soeur? Exactement, continue à lire. Avec pudeur et modestie. Ça veut dire quoi la modestie? Ok, j'ai une question pour toi. N'importe quel mec qui marche dans la rue, il t'approche. Quand il t'approche, ça va être pour quoi tu penses? Exactement. Donc t'aimerais ça te marier plus tard, n'est-ce pas? Non? Ma soeur! C'est pas bon ça, il faut te marier. Comment ça, le verset? What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example.
Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation